Bonjour et Minecraftien, ici c'est le B35, le pixel hyper bien. Alerte, blague de merde. Donc on se retrouve sur le serveur 10 pixels. C'est un serveur minigames que tout le monde connaît à peu près. Aujourd'hui on va essayer de faire une partie de... What the... Oh, je connaissais pas ça. Oh, c'est vachement bien fait. Ah là là. Bref, on se retrouve dans un délire de CLB, on va essayer de jouer à l'essentiel de ces jeux. L'Adventure Lobby, Paintball Warfare. Allez, on va se faire un survival game sur le serveur 10 pixels. Donc pour changer un petit peu, on va dire CLB très mini games. Bien évidemment, à cette heure-là aux États-Unis, on est au collège, donc il n'y a pas grand monde. Je tourne ce jour-là le jour de la publication, c'est-à-dire un mercredi de janvier. Et donc rien à ajouter. Donc ce que je veux dire, c'est que l'épisode risque d'arriver assez tard parce que je commençais à préparer on va dire le best-of de la saison 1 de Minecraft vous est offert, notre let's play de notre chaîne à la CLB Team. Enfin, c'est pour ceux qui sont pas abonnés. Oula, il commence à y avoir beaucoup de kits. Ça fera les iPacks. What the? Hop, Meatmaster est un kit qui permet d'avoir une épée et de la viande, donc c'est un excellent kit je trouve. Le but de ce jeu là, si vous connaissez pas, mais à mon avis vous connaissez, si vous connaissez pas parce qu'on sait jamais, le but c'est de se ruer sur les coffres du centre pour commencer, et je me suis fait tout prendre devant mon nez. On est dans des maps ingriffables, et on doit survivre tout simplement. Il y a du PVP, il y a des coffres un peu partout cachés. Et j'ai un effet de speed et de résistance, ça c'est grâce au début. Résistance 3 pour commencer la partie. Hein. Oh oh oh. Ça c'est, on va dire, un YOLO. Ça c'est un truc YOLO. Mais génial. Tu vas mourir! Tu vas mourir, je te dis. Oui. Ouf. Ça, c'est joué à un rien. Hop. Ah, bah j'ai une épée en pierre maintenant. J'ai un œuf de cochon avec ma Miss Master Sword. Voilà, des côtelettes en plus, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour... Bottle of Enchanting, ça va être hyper utile. Comme vous le voyez. Mince, mince, là je vais mourir par contre. Ah bah je suis déjà mort. Bon bah on avait dit qu'on faisait un exemplaire de chaque jeu. Donc la map est très grande, tout ça. Vous pouvez découvrir ce jeu là. Et on se retrouve pour un nouveau jeu, un autre jeu sur le serveur des pixels. Et voilà, on se retrouve sur un cake craft. Donc c'est un petit peu un like un FPS. On doit se tirer dessus avec des houes. Qui tire des feux d'artifice, si vous connaissez pas. Hein. Alors mon FOV est relativement élevé, c'est pour ça que ça rend pas super bien. Le but du jeu c'est de tuer le plus de monde, c'est pas de survivre longtemps, c'est de tuer vraiment le plus de monde, c'est ça qui est important. Donc on tire en ligne droite, et là, c'est les réflexes tout simplement qu'il faut utiliser pour gagner les parties. Et donc du coup moi je suis absolument tout dernier comme vous voyez. Et là c'est juste un manque de bol extrême que j'ai eu d'avoir ce petit coup de frise à ce moment précis. Je l'ai eu. Et donc comme vous voyez les futés d'artifice nous traversent littéralement encore, on peut faire des doubles kills. Ah.
Ou qu'on gagne une pièce par kill quand on n'est pas un VIP comme moi, qu'on a vraiment les trucs super basiques. Donc Basic Railgun, ça porte son nom, et ça le porte bien. Ça lui siède à merveille. Campeur! Ah mince, j'aurais pu l'avoir celui-là. Pas de chance. Alors, le premier arrivé à 24 kills gagne la partie, et donc du coup, comme vous voyez, je suis très mal parti. Parfois je gagne, mais pas toujours. Hein. D'ailleurs, c'est relativement rare. Hein. Où t'es, papa, où t'es? Ok, je me tais. Déjà, j'étais extrêmement nul pour le rater. De deux, il n'y a absolument personne. Voilà. Ah mince, il a été un peu plus rapide que moi. Et puis il y a un temps de chargement, je sais pas si vous avez remarqué, la barre d'XP. Ça veut dire le temps qu'il nous faut pour retirer, parce que sinon, je pense bien que je mitraillerai tout. Ah mince. Ils sont forts quand même, hein. Je suis pas tombé dans une partie de Jean-Kevin. Pic Arthur, il va sans doute gagner la partie vu qu'il est fort. YOLO! Et mince. Il a eu un peu de chance sur ce coup-là, je dois avouer, parce qu'il me semblait qu'il avait le Basic Railgun avec un temps de chargement assez long. Ah, date combo, aïe. Pic Arthur, c'est lui qui va gagner. Faut pas se laisser tuer par Pic Arthur. Parce qu'il est méchant. Lolo. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Yolo. Comment je suis mort là? Ah, il a une meilleure réflexe. Comme vous voyez, c'est surtout les réflexes qui sont importants, parce que pour viser, c'est très simple. Hein. C'est la petite croix, bien que moi, j'y arrive pas du tout. Alors, attention, dans 4 kills. Moi, je suis plutôt bien placé avec mes 12 kills, là. Hop, double kill. Ah, mince. Ça aurait été marrant que je me mette dans un killing spree. Ah bah voilà. C'est ça, c'est quand on refait suffisamment de kills à la fois. Attention, il va gagner, il va gagner. Et voilà, victoire de Pic Arthur. Je spam sur Skype. Attendez 2 secondes. Voilà, donc on va aller ailleurs. C'est impressionnant, mais en même temps c'est tellement pixelisé que... Tellement pixelisé. Vampire Z. Ah, VIP, la 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 la. On va sur les TNT Games, donc ça c'est un truc assez lol. De ce serveur que j'aime bien. Ok, on va aller quelque part. Je vous retrouve quand une partie commence. Donc on se retrouve sur un TNT Bow Spliff. Donc il y a plusieurs minigames avec de la TNT. Celui-là c'est le Bow Spliff. Donc c'est un jeu assez particulier, le spliff, où il faut si vous avez vu mon délire précédent, c'était avec des œufs. Là ce sera avec des flèches enflammées pour faire tomber la TNT, bien sûr. Et dans le jeu de base, c'est en creusant, en minant sous ses pieds. Donc là c'est la meilleure, il y a deux stratégies possibles. Donc soit mourir dès le début comme ça, non mais je voulais pas dire ça, mais soit on tire. Bah soit on fuit, d'ailleurs la deuxième est souvent plus efficace. Mais on est dans les délires de CLB. YOLO.
Comme vous voyez, on enflamme 2 à 4 TNT à chaque fois. On peut aussi tirer dans le vide, ça sert à rien, mais c'est marrant. Hop, je reste fixe, immobile, parce que les gens tirent pas sur moi. Je nettoie le terrain, je m'amuse avec mon arc. La 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 la. Ouf, c'est pas passé loin ça. Voilà, donc les gens finiront bien par tomber, soit par une erreur de jump, soit parce qu'on a détruit les blocs sous leurs pieds. Sachant que le deuxième est quand même beaucoup plus honorable que le premier. Oula, c'était le combo de la mort. Hop, donc 6 players remaining. Vous savez ce que ça veut dire, si vous n'êtes pas nul en anglais. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 6 joueurs avant la fin de la partie et ma victoire géniale. J'ai jamais gagné, je vous avoue, de TNT Boss Swift parce que j'en fais pas beaucoup. Vous avez bien compris le concept, hein. Vous savez que quand on enflamme de la TNT, elle explose. Hein. Mais quand elle explose, elle tombe. Il faut pas que je tire trop faiblement parce que sinon je vais détruire le bloc sous mon pied et là ça... Ça va faire mal. Les gens commencent à essayer de tuer les autres. Hein, parce qu'ils savent que sinon ça n'en finira jamais. Alors je ne compte absolument pas le temps de la vidéo. Si ça se trouve, il va falloir diviser en deux parties. Si c'est le cas, et bah vous aurez sans doute une annotation sur la deuxième partie. Donc délire de CLB, découverte des mini-games du serveur 10 pixels. Donc dans la même famille, vous avez la découverte du TNT, donc non, du Splague sur ivemc.eu. Ça c'est dans la même famille, dans les délires de CLB, donc minigame sur serveur et autres délires. J'ai pensé à un délire où je faisais sauter une map à la TNT, mais bon ça c'est autant le faire chez soi. C'est aussi simple. Ah, on n'est plus que deux. Moi j'espère parce que sinon je suis grave dans la... Tu ne mourras pas, espèce de cruel. Comme vous voyez, la map finit par être bien perforée, hein. Il se rapproche de moi, l'imbécile. Ça sera une cible plus facile. Les cibles mobiles sont toujours les plus faciles. Non, c'est inverse en fait. Mince! Oh! Quel fail! Je suis tombé bêtement. Vraiment bêtement. Bon bah voilà, donc ça c'est pour cette TNT game, on va pas tout faire non plus, hein. On n'a pas que ça à faire, on a un temps limite pour la vidéo. Le rêve où il y a un jukebox là. Donc comme vous voyez, il y a énormément de lobbies. Hein. Je suis sur le TNT lobby 7. Bon, eh bien on va aller voir ça. Shop, shop, achievement, c'est-à-dire visibilité, game menu, blablabla, slash live. Oups, me suis gouré. Comment il s'appelle lui? Porc épic. Allez, bon, on retourne au main lobby. On va faire quelque chose. La Mega Wall, c'est extrêmement long, donc on va pas le faire. On peut faire un peu de Vampire Z, l'ambiance est relativement dark. Hein. Donc Vampire Z, c'est un jeu... où on
C'est un jeu où des vampires contaminent un village qui deviennent des vampires et qui invoquent des zombies. C'est assez incroyable. Oh. Pardon. Alors on peut aussi spawner vampire, hein. C'est obligatoire, il y en a un. Hein. Hop, donc c'est rapide. Le temps de chargement sur ce jeu-là, il est pas trop long, ça me plaît bien parce que je déteste ça. Donc là, on a de l'or et on peut acheter des choses avec. Comme vous voyez. Où je commence déjà. Donc comme vous voyez, on a un tout petit peu de blindness pour la durée de la vidéo en fait. Avant on pouvait griffer ça. Il faut croire que c'est plus le cas. D'habitude on peut griffer les gens. Wayspawned. Donc là il y a des zombies qui sont apparus. Et ça fait du bien au cerveau. Bah, je sors de boîte, je suis pas bien. Arrêtez de bouger tous les deux. J'ai pris un mur dans la tête, ça c'est vraiment un risque. Pourtant, le guide au son. Mince! Il y a un vampire qui me suivait, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer ou pas? Ouh! Je vais le tuer. 100, 100. Ah bah. Bon, on va dire que ça va être un peu compliqué de s'acheter des trucs comme ça. C'est un peu cher, 50, 100. Ouais, bon, on peut rien prendre d'autre. C'est trop cher. Faut que je tue autre chose. Ah, c'est flippant, ces bestioles. Donc ça, c'est une ambiance assez flippante. Plus de gold, plus de coins. Donc la monnaie du serveur, c'est des coins qu'on peut échanger contre des bidules différents. Hein. Un vampire! Quoi? C'est quoi ce truc? J'ai rien compris! Je suis où là? Ah! Je vais mourir! Quoi? Ah! Bon, bah je suis un vampire. D'un côté, ah c'est du sang. Et pas du gold. Donc ça c'est sharpness 1. Donc c'est assez puissant pour une larme de ghast. Donc on a une vue sur la map, hein. La map c'est tout le temps la même il me semble. Bien alors je me trompe. Bonjour. What is the fuck? Bah oui, bon en fait rien du tout. What is the fuck? Alors... Alors, mince. Il y a des êtres humains par ici. Bonjour. Eh oh, poussez pas. Il y en aura pour tout le monde. Et mince. Rage. Les humains sont super forts. Les humains sont super forts. Donc par contre l'absorption c'est super important. Santé, vampire Gretchen. Il doit y avoir des survivants par ici. Bah. Ah bah non, c'est devenu des zombies. Ah bah, je crois que c'est des VIP qui font croire que ce sont des zombies, mais ce n'en sont pas. Bon, bah je tape partout, on va bien voir. Hein. Bon.
Niveau ambiance sonore, c'est zéro. Par contre, ce jeu-là, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, j'accélérerai peut-être un petit peu au montage parce que je sais pas. Hein. Attention, c'est violent par ici. Bonjour. Fille est aux fiches. Au secours. Je vais mourir. Je suis mort. Je suis mouru, comme dirait Eldaimon. Je suis mouru. Donc ce truc est vachement important. Je répéterai jamais assez. Et puis, on peut l'avoir super facilement. Attends, 112 blues. Je sais quoi m'acheter quoi. Attends. D'accord, donc. Voilà. Alors, hop, vampire. Tu vas mourir, humain. Mur, humain. Sherlock, meurs. Tu vas mourir, je te dis. Coup de lag. Tu vas mourir, tu vas être mouru. On l'a eu. Ou pas. Ah bah non, c'est lui qui est l'autre. Ah bah non, il est... Tu vas mourir. Je te dis que tu vas mourir. Alors voilà, quand même. Il en a mis du temps. Les vampires ont gagné, rien, aucun truc sonore ne l'a averti. Bon bah GG, bah voilà, à la fin de cette partie que je vais sans doute couper à certains moments. Alors, voilà, donc ça va être la fin de cette... Je live pas, merci. Ça va être la fin de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir regardé pour... de m'avoir regardé pour cette petite découverte abrégée du serveur d'iPixel dans les délires de CLB. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne de la CLB Team que je représente. Sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.